impossible d'y échapper. Cette nourriture abondante, trop sucrée, pleine de mauvais gras, nous cerne. Elle est partout. Et depuis des décennies, le corps encaisse mal ces nouvelles habitudes alimentaires. Mais qu'en est-il du cerveau? Notre santé mentale, nos humeurs et nos capacités cérébrales sont-elles aussi à la merci d'un mauvais coup de fourchette? On sait que la malbouffe fait grossir, mais la science nous dit désormais qu'elle pourrait aussi faire rétrécir nos cerveaux. Attachez vos serviettes, les scientifiques passent à table. Une alimentation riche en gras et en sucre conduit à des modifications des parties du cerveau utilisées pour la mémoire. C'est un domaine de recherche récent, une science neuve qui met au jour une nouvelle facette de la nutrition. Une consommation importante de matières grasses et de sucre reprogramme le cerveau. Ce qui vous passe par la tête dépend aussi de ce que vous mettez dans votre assiette. Tout commence dès les premiers repas, avant même la naissance. Le cerveau se construit pendant la grossesse. Son fonctionnement plus tard dépend de la manière dont il aura été nourri et de ce que la mère aura avalé pendant 9 mois. Les conséquences d'une mauvaise alimentation sur la santé de l'enfant pendant la gestation sont connues depuis longtemps. Mais en Australie, ce sont les répercussions sur le fonctionnement du cerveau qui préoccupent les scientifiques aujourd'hui. Félice Jacka, professeure à l'Université de Melbourne, est l'une des meilleures spécialistes du lien entre nutrition et cerveau. Elle a examiné le comportement de milliers d'enfants après avoir suivi les habitudes alimentaires de leur mère au cours d'une vaste étude qui incluait 23 000 femmes enceintes. Nous avons mesuré la quantité de junk food, de nourriture transformée qu'elles ont mangée, mais aussi leur consommation de nourriture plus saine, riche en nutriments et en fibres. Puis nous avons regardé le comportement émotionnel de leurs enfants sur les 5 premières années de leur vie. Évidemment, nous avons pris en compte les biais liés à l'éducation, les revenus et la santé mentale des parents. On a constaté, et c'était flagrant, que les mères dont l'alimentation pendant la grossesse se résumait à des produits transformés, des boissons sucrées, des snacks salés, avaient ensuite des enfants plus susceptibles d'être agressifs, colériques et capricieux. Cette corrélation inquiétante suggère que l'alimentation de la mère impacte la santé psychique de l'enfant. Cela reste à démontrer sur le plan biologique. En tout cas, Félice Jacka, elle, en est convaincue. Cette étude norvégienne nous a aussi permis de découvrir que l'alimentation de l'enfant comptait autant que celle de la mère. Trop de malbouffe et trop peu d'aliments sains génèrent plus de comportements colériques et agressifs, mais aussi plus de tristesse, d'anxiété, d'inquiétude et de cauchemars. Depuis, les conclusions du professeur Jacka ont été confirmées par des études menées en Espagne, aux Pays-Bas et au Canada. Il existe un lien entre la qualité de l'alimentation et les problèmes d'humeur chez les enfants. Mais quelle en est la nature? De quelle façon la nourriture vient-elle interférer avec le fonctionnement des neurones? Les excès de gras et de sucre sont désormais dans le collimateur des scientifiques qui travaillent sur le cerveau. Les excès, mais aussi les carences. La nourriture transformée, la junk food, souvent vide de nutriments, n'apporte pas tout ce dont le corps et surtout les neurones ont besoin. Dans ce laboratoire de l'Université de Bordeaux, les scientifiques étudient les conséquences des carences alimentaires sur le cerveau des souris. Cette expérience sert à mesurer l'anxiété. L'animal a le choix. Explorer la partie éclairée
ou bien se terrer dans l'ombre. Une souris normale prend toujours le temps d'examiner la zone éclairée. Mais celle-ci a été privée d'oméga-3 pendant sa croissance. Les oméga-3, c'est ce bon gras surtout connu pour ses bienfaits sur le cœur et les artères. Au lieu d'explorer l'environnement, la souris se réfugie dans un recoin sombre pour ne plus en sortir. Elle est stressée, angoissée. L'expérience a été reproduite de nombreuses fois sur des dizaines de souris. Pour les chercheurs, cet étrange comportement s'explique simplement. Sans oméga-3 pour se construire, le cerveau ne fonctionne pas normalement, car notre matière grise est à 90% composée de graisse qu'il ne sait pas fabriquer lui-même. Le cerveau, c'est l'organe après le tissu adipeux le plus riche en acides gras polyinsaturés, qu'on appelle aussi oméga-3. Donc ces oméga-3, ils sont indispensables, c'est-à-dire que comme l'organisme ne peut pas les fabriquer, il faut qu'on les mange, donc on va les trouver dans l'alimentation. Les poissons gras, les abats, les huiles végétales, les graines comme les noix ou les amandes ont longtemps été les principales sources d'oméga-3 pour l'homme. Des aliments qui se sont raréfiés dans la cuisine des pays industrialisés. Alors, Sophie Layet a voulu aller plus loin et comprendre ce qui cloche dans le cerveau de ces souris anxieuses qu'on a privées d'oméga-3. Elle a examiné leurs neurones de très près. Et sous le microscope, des anomalies apparaissent clairement. Ici, les neurones ont une arborisation, c'est-à-dire tous ces prolongements, qui est réduite en situation de carence alimentaire en oméga-3. À un niveau plus précis, on voit que la connexion entre les neurones, qui est représentée par ces petites protubérances, ces synapses, sont également diminuées et ceci traduit qu'il y a un impact sur la connectivité entre les neurones dans le cerveau de ces souris carencées en oméga-3. Sans oméga-3 pour se développer, les neurones auraient donc du mal à communiquer entre eux car la structure même des cellules est modifiée. Les oméga-3 que l'on consomme vont rentrer dans le cerveau et s'incorporer dans les membranes des neurones. Et lorsqu'ils s'incorporent, ils vont donner une flexibilité à cette membrane des neurones plus importante et permettre une meilleure connexion de ces neurones entre eux. La quantité d'oméga-3 qui pénètre dans le cerveau est cruciale pour rendre les cellules cérébrales plus efficaces. Car lorsque ces acides gras s'incorporent aux membranes, ils en améliorent les propriétés électriques. Dans les neurones riches en oméga-3, le signal se propage plus vite, le réseau est plus efficace. Priver le cerveau d'oméga-3, c'est donc prendre le risque qu'il fonctionne moins bien. La population générale est carencée en oméga-3. On a des apports insuffisants en oméga-3. Donc c'est important d'y veiller, de faire attention, surtout dans les périodes particulières, comme la période développementale, qui est cette période où les oméga-3 s'incorporent massivement dans le cerveau. Également l'adolescence, puisque l'adolescence est une période particulière de changement alimentaire. Et puis également au cours du vieillissement, où l'incorporation dans le cerveau des oméga-3 a tendance à être moins efficace. Donc il faut augmenter la prise oméga-3. Première règle pour qu'un cerveau tourne à plein régime donc, éviter les carences. Mais encore faut-il que les bons nutriments soient accessibles, qu'une alimentation variée soit disponible. Que se passe-t-il pour les neurones quand les repas sont pauvres et surtout toujours les mêmes? Le grand hamster qui a longtemps prospéré ici dans la plaine d'Alsace en fait aujourd'hui la douloureuse expérience. Depuis les années 60, on observe un déclin de cette population de hamsters qui est au bord de l'extinction aujourd'hui. Et en même temps, ce qu'on a vu, c'est une augmentation de la surface agricole cultivée en maïs. Carolina Bolt s'est donc demandé si l'effondrement de la population était lié à la surabondance soudaine de maïs. Elle a donc fait une expérience de laboratoire en nourrissant le hamster exclusivement avec cette céréale. On a observé pendant la reproduction des troubles du comportement chez les femelles qui se traduisaient par
une hyperagressivité, une hypersensibilité dès qu'il y avait un bruit dans la pièce. Et surtout, ce à quoi on ne s'attendait pas, c'est que ces femelles ont dévoré leurs petits dès le premier jour après leur naissance. Et ce comportement a été observé chez plus de 80% des femelles. Un piètre régime alimentaire suffit donc à faire glisser le hamster dans une folie meurtrière. En cause, une simple vitamine. C'est une carence en vitamine B3 qui est à l'origine de ce comportement anormal, puisque lorsque nous les avons supplémentées en vitamine B3 en plus de leur régime à base de maïs, elles ont retrouvé un comportement tout à fait normal et elles se sont mises à allaiter leurs petits, à les élever comme des femelles nourries avec un régime diversifié. La mésaventure du hamster a quelque chose d'inquiétant. Un régime carencé, déséquilibré, pourrait-il déclencher chez nous aussi de l'agressivité, des réactions violentes? Les archives de la dernière guerre en Hollande ont fourni aux scientifiques l'occasion d'étudier cette question. À l'époque, les privations alimentaires ont eu de lourdes conséquences sur les comportements de toute une génération. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une famine aux Pays-Bas. Et pendant cette période, des femmes enceintes ayant souffert de la faim ont donné naissance à des enfants qui, plus tard, vers 18-19 ans, ont montré des troubles de sociabilité plus importants que les gens du même âge, nés à une autre époque. Impulsivité, agressivité et violation récurrente de la loi. Cette génération a été particulièrement marquée. Depuis, de nombreux travaux établissent un lien entre violence et qualité de l'alimentation au quotidien. Ab Zalberg est docteur en psychologie et conseiller politique au ministère de la Justice. Sa spécialité, nutrition et criminalité. Il est convaincu qu'enrichir la nourriture en vitamines, acides gras et minéraux peut réduire l'agressivité. Difficile de tester cette hypothèse dans la vraie vie, car beaucoup de facteurs et de circonstances peuvent influencer nos comportements, nos pulsions. Afin d'étudier l'alimentation dans un contexte quasi idéal, sans l'influence de nombreux paramètres, il a choisi la prison. Ab Zalberg a donc lancé une expérience pour laquelle 221 détenus se sont portés volontaires. Ici, aux Pays-Bas, nous avons mené une étude sur de jeunes détenus dans 8 prisons différentes. Pendant 3 mois, nous leur avons donné des suppléments de vitamines, minéraux et acides gras. Puis nous avons regardé l'effet sur leur comportement. Nous l'avons mesuré de 2 manières différentes. D'abord, nous avons demandé directement aux détenus à quel point ils se sentaient agressifs. Puis nous avons demandé aux surveillants leur point de vue sur la question. Mais surtout, nous avons regardé le registre des incidents, le nombre de fois où les détenus étaient punis. Et on a vu que les placements à l'isolement avaient grandement baissé. Dans le groupe de détenus dont les repas ont été améliorés, le nombre d'incidents a été réduit d'un tiers. Des études équivalentes menées dans les prisons britanniques et australiennes arrivent à la même conclusion. Minéraux, oméga-3 et vitamines ajoutées comme compléments alimentaires réduisent les comportements violents. L'étape suivante, c'est de tester si nos découvertes scientifiques peuvent être mises en pratique. Nous avons plusieurs projets avec l'administration pénitentiaire. Nous verrons si une modification de l'alimentation peut être envisagée comme un moyen de réguler l'agressivité. Ce que nous ingérons a donc le pouvoir de changer nos humeurs, de stimuler certaines pulsions. Mais le contenu de l'assiette pourrait-il aussi influencer nos décisions? Celles que nous croyons prendre le plus librement du monde?
Quand on demande aux gens s'ils pensent que la nourriture, ce qu'ils mangent, a un impact sur la santé, la plupart répondent oui. Mais lorsqu'on leur demande si l'alimentation peut aussi influencer les pensées, les décisions, très peu de gens sont prêts à croire que c'est le cas. Pourtant, dans le très sérieux institut de psychologie de l'université de Lübeck en Allemagne, le professeur So-Jung Park en a, pour la première fois, apporté la preuve. Ses travaux ont révélé le mécanisme par lequel la nourriture pouvait influencer nos pensées. Et pour cela, la chercheuse a élaboré une expérience plutôt originale. Imaginez que vous deviez résoudre le dilemme suivant. L'argent posé sur la table est à partager en deux sommes. Mais c'est votre partenaire de jeu, un inconnu, qui décide de la répartition. Je te donne les 2 euros et j'en garde 8 pour moi. Si vous acceptez cette offre injuste, vous repartez avec un peu d'argent, mais beaucoup moins que lui. Si vous refusez, personne ne gagne rien. Alors, que feriez-vous ? Vous acceptez l'offre et prenez les 2 euros, quitte à vous sentir floué, ou vous refusez et vous repartez les poches vides, mais gardez la tête haute. Eh bien, il s'avère que prendre ou ne pas prendre l'argent dépend d'une condition surprenante, ce que vous venez d'avaler. Nous vous avons préparé un petit déjeuner. La seule consigne à respecter, c'est de tout manger. Je reviens plus tard pour la partie comportementale. Bon appétit. Dans le cadre de cette étude, nous avons suivi 24 personnes qui sont venues 2 fois au laboratoire pour prendre 2 petits déjeuners différents. Nous avons constaté qu'une même personne prenait des décisions complètement différentes en fonction de ce qu'elle avait mangé le matin. Pour le cobaye, les 2 petits déjeuners ont l'air identiques. En réalité, l'un est beaucoup plus protéiné que l'autre. La proportion de protéines par rapport au sucre est le seul paramètre qui change. Quelques heures après le repas, le cobaye passe alors plusieurs tests sur un ordinateur. Aujourd'hui, il a tendance à accepter l'offre. Son intérêt l'emporte sur son agacement. Il partira avec un peu d'argent en poche. La semaine passée, il avait surtout refusé et n'avait presque rien gagné. Le sujet ayant consommé un petit déjeuner plus riche en protéines le matin s'est montré tolérant aux offres injustes. À l'inverse, le sujet ayant consommé un petit déjeuner riche en glucides s'est montré plus intransigeant devant les offres injustes. En moyenne, le sujet, quand il a eu peu de protéines, rejette les offres injustes 2 fois plus souvent. Mais comment expliquer un résultat aussi surprenant? Pour comprendre et apporter une preuve biologique à cette observation, les scientifiques ont procédé à des analyses sanguines. Nous enverrons le sang au laboratoire pour analyse. On va mesurer le taux d'hormones et d'acides aminés. Pour les hormones, on s'intéresse à l'insuline, au cortisol, l'adrénaline et l'ACTH. Et pour les acides aminés, au tryptophane et à la tyrosine. Dans cette liste, le plus important, c'est la tyrosine. C'est un acide aminé qui entre dans la composition d'une protéine très importante pour le fonctionnement du cerveau, la dopamine. Cette molécule assure la communication entre les neurones, impliquée dans la motivation et la prise de risque. Les résultats des analyses montrent que les sujets qui présentent un taux plus élevé de tyrosine dans le sang sont ceux qui acceptent plus facilement l'offre inéquitable.
Nous supposons donc que l'augmentation de tyrosine dans le sang augmente la quantité de dopamine dans le cerveau, qui à son tour change le comportement. Autrement dit, en quelques heures, ce que nous mangeons modifierait subtilement la chimie du cerveau et donc la communication entre les neurones, suffisamment pour orienter certaines de nos décisions. À l'Institut de psychologie de Lübeck, les expériences se poursuivent pour confirmer ce résultat. Car il s'agit d'une première et les implications sont nombreuses. Dans la mesure où nous mangeons 3 fois par jour, chaque jour, nous réalisons que la nourriture possède un immense pouvoir, celui de modifier et de modeler l'homme. Il est donc indispensable de réfléchir à la manière dont nous pouvons nous servir de l'alimentation pour favoriser notre bien-être ou optimiser notre état mental. Entre les carences alimentaires qui ramollissent le cerveau, perturbent les humeurs, et le menu qui interfère avec les décisions du quotidien, il est de plus en plus clair que l'alimentation joue un rôle prépondérant dans notre vie psychique. Mais qu'en est-il alors de la malbouffe, dégoulinante de sucre et de mauvaise graisse? Qu'arriverait-il si nous ne mangions plus que cela? C'est l'objet des recherches menées ici en Australie, à l'Université de Sydney. Margaret Morris dirige le seul laboratoire au monde où les rats sont nourris à la malbouffe. Celle que vous trouvez dans les supermarchés et qu'on vous sert dans les fast-foods bon marché. Pour nos expériences, nous utilisons ce que tout le monde mange en Occident. On donne à nos rats des quiches, des frites, des gâteaux et des biscuits. Cette nourriture pas chère est toute préparée. On reproduit les habitudes alimentaires du monde occidental. Première conséquence, le rat double ses rations alimentaires. L'animal n'est jamais rassasié. Mais ce n'est pas le plus surprenant. Notre sujet de recherche principal concerne l'impact de cette alimentation sur la mémoire. Nous pouvons le mesurer facilement grâce au test de la reconnaissance de position des objets. Pour ce test, la chercheuse place des objets dans l'environnement d'un rat. Celui-ci vient immédiatement les examiner, car les rongeurs sont très curieux par nature. Une fois que l'animal a terminé son exploration et mémoriser son environnement, il est momentanément mis à l'écart. Puis on remet l'animal en présence du même objet que l'on a changé de place. À son retour, le rat passe plus de temps à examiner l'objet qui a changé de place, car l'autre, il le connaît déjà. Il est gravé dans sa mémoire. Les rats suralimentés, eux, se comportent différemment. On a observé que les animaux qui mangent très gras, très sucré, ont du mal à se rendre compte, à se rappeler que l'objet a été déplacé. Contrairement aux rats qui ont mangé sainement, ceux qui mangent gras ou sucré passent autant de temps à explorer les deux objets, ce qui trahit une altération de la mémoire spatiale. Les rats suralimentés ont une mémoire spatiale abîmée, mais aussi d'autres dysfonctionnements qui sonnent comme un signal d'alarme pour les scientifiques. Ils trahissent une altération de l'hippocampe, une petite région nichée au cœur du cerveau,
indispensable à l'apprentissage et à la consolidation des souvenirs. Et les dernières études montrent que, chez l'homme, une alimentation trop riche interfère aussi avec l'hippocampe. On a par exemple mis en évidence qu'il existait un lien entre l'alimentation et la taille de l'hippocampe, mais aussi avec celle de la matière grise ou de la matière blanche. Des études d'intervention commencent aussi à sortir. Elles montrent que 4 jours d'un régime à base de malbouffe suffisent à altérer les fonctions cognitives qui dépendent de l'hippocampe. Notre mémoire, nos capacités intellectuelles, sont-elles vraiment menacées par nos nouvelles habitudes alimentaires? Il est encore trop tôt pour être catégorique. Mais les indices s'accumulent et inquiètent les scientifiques. Margaret Morris cherche désormais à comprendre comment une nourriture trop riche perturbe le cerveau de ses rats au point d'en affecter l'efficacité. Une hypothèse est en train de s'imposer. Manger trop de gras, trop de sucre, déclenche une réaction inflammatoire et celle-ci se propagerait aux neurones. Ces aliments entraînent une réaction inflammatoire dans le corps. Ce mécanisme est bien connu chez les personnes obèses, mais il semblerait que ce soit aussi une réaction aiguë. On a constaté que les niveaux de molécules inflammatoires augmentent en fonction de l'alimentation. Une alimentation trop riche déboussole le système immunitaire. Il s'affole et déclenche une réaction inflammatoire, en particulier dans les tissus graisseux. Nos masses grasses libèrent des molécules qui propagent ensuite cette inflammation dans tout le corps. On pensait les neurones épargnés par le phénomène bien à l'abri derrière la barrière hémato-encéphalique. Cette membrane, qui entoure les vaisseaux sanguins et normalement protège le cerveau. L'augmentation de l'inflammation dans le corps se propagerait au cerveau. La raison en est que la barrière hémato-encéphalique, qui protège normalement le cerveau des molécules inflammatoires, peut être détériorée par l'alimentation et devenir poreuse. Des fuites qui laisseraient passer ces molécules. Chez le rat, en réaction à la nourriture, on a observé des changements dans les niveaux de molécules inflammatoires à l'intérieur du cerveau. Et ceci était corrélé à la perte de mémoire. L'inflammation qui s'infiltre dans les méninges déclencherait alors un phénomène particulièrement surprenant. Dans son laboratoire, Sophie Laillet vient de montrer chez des souris suralimentées que certaines cellules immunitaires du cerveau, les cellules microgliales, se mettent à dévorer les neurones. Ces cellules microgliales au sein du cerveau sont importantes parce qu'elles peuvent manger, grignoter les neurones qui sont morts. Or, lorsqu'elles sont dérégulées, et en particulier en situation de nutrition déséquilibrée, elles se mettent à manger des neurones qui sont vivants. Et donc, de fait, en consommant de façon excessive ces neurones, finalement, elles vont détruire, ou en tout cas participer, à la destruction des réseaux neuronaux et de neurones qui sont vivants et qui devraient être fonctionnels. La réaction des cellules microgliales a été filmée in vitro. Ce sont elles que l'on voit s'agiter sur ces images. En rouge apparaissent les fragments de neurones qu'elles ingurgitent. Chez une souris obèse, l'activité devient frénétique. Ce phénomène, au cœur des neurones, est aujourd'hui suspecté de nuire significativement au bon fonctionnement du cerveau. We've
Cela fait 30 ans qu'on dit aux gens, ne mangez pas ça, vous allez faire une crise cardiaque, vous allez avoir un cancer ou devenir diabétique. Et ça n'a rien changé aux comportements alimentaires. On espère que si les consommateurs comprennent que ce qu'ils avalent est vraiment important pour la santé de leur cerveau et celui de leurs enfants, cela aura un impact plus profond sur leurs choix alimentaires. Prendre conscience que certaines habitudes alimentaires nuisent au cerveau est une chose. Mais comment résister aux tentations? Les envies sont souvent les plus fortes. La malbouffe, surtout le sucre, le glucose, nous pousse sans cesse sur la mauvaise pente. Le sucre, accusé de manipulation, de mener nos neurones par le bout du nez. Microscope, mini-manipulateur et enregistreur ultrasensible. Xavier Fioramenti est aux commandes d'une machine capable d'enregistrer l'activité électrique d'un seul neurone. Le principe est simple. Une tranche de cerveau de souris baigne dans un liquide qui le maintient en vie. Et méticuleusement, le chercheur approche une électrode. L'opération est particulièrement délicate. Ici, je descends la pipette dans la tranche de cerveau. Et maintenant, on va approcher cette pipette d'enregistrement à proximité du neurone jusqu'à établir un contact. Et ici, voilà. Ça y est, on a établi un contact et maintenant, on va pouvoir mesurer l'activité électrique du neurone. Les pics vers le haut que l'on voit sont des potentiels d'action. C'est de cette manière que les neurones codent l'information dans le cerveau. Le temps qui s'écoule entre chaque pic constitue le message envoyé par le neurone. Maintenant, on va augmenter la concentration en glucose dans le bain. Et on va voir si cette cellule, elle répond à cette augmentation de la concentration en glucose. Et comme on peut voir ici, cette cellule, en réponse à l'augmentation de la concentration en glucose, a une activité électrique qui est augmentée. Il y a plus de potentiel d'action qu'on pouvait le voir ici avant l'augmentation de la concentration en glucose. Ici, le signal est celui d'une seule cellule. Dans le cerveau, les neurones sont tous connectés les uns aux autres. Les scientifiques suspectent donc le glucose d'avoir la capacité de modifier l'activité de zones cérébrales entières, celles qui contrôlent les émotions, le plaisir. Est-ce ainsi que le sucre assure son emprise sur notre volonté? Ce n'est pour l'instant qu'une hypothèse. Mais l'addiction, la dépendance au sucre, fait aujourd'hui l'objet d'une recherche intense dans les laboratoires. Et ce qui apparaît de plus en plus évident, c'est que le pouvoir du sucre s'apparente à celui d'une drogue. Serge Ahmed a été un des premiers à en apporter la preuve avec une expérience très simple. Il a d'abord élevé des rats en leur donnant de la cocaïne et du sucre. Puis, après des semaines de ce double régime, il a confronté les animaux à un choix. Donc là, nous avons la situation dans laquelle l'animal a le choix entre un levier qui est connecté à une seringue qui contient une drogue en solution, et donc la drogue en question, c'est une drogue dure, comme de la cocaïne et l'héroïne, et à gauche, un levier qui lui permet de contrôler une autre seringue qui contient une boisson sucrée. Et là, on voit que l'animal fait le choix de la boisson sucrée. Les rats se tournent 4 fois plus souvent vers l'eau sucrée que vers la drogue. Pas d'overdose avec le glucose, mais l'envie irrépressible est bien là. Donc cette expérience, très simplement, démontre que le sucre a un potentiel addictif plus important que nous l'avions imaginé jusqu'à présent, et peut-être même plus important que celui de drogues dures comme la cocaïne et l'héroïne.
aujourd'hui, on vit dans un environnement alimentaire qui est un peu devenu fou, dans lequel on va retrouver du sucre dans tout un tas d'aliments. Donc bien sûr dans des aliments dans lesquels on s'y attend, comme par exemple les boissons sucrées. Mais on va retrouver également du sucre dans des aliments qui n'ont pas vocation à être sucrés, comme par exemple le jambon ou la soupe, et on pourrait citer d'autres exemples. Et rajouter du sucre dans ces aliments-là va justement contribuer au fait qu'on va rendre des gens accros à leur insu. Alors, sommes-nous vraiment tous drogués à la barre chocolatée et au sucre, dissimulés dans la plupart des produits de supermarché? Son pouvoir addictif si puissant chez le rat l'est-il tout autant chez l'homme? L'influence de la nourriture sucrée sur le cerveau humain est justement à l'étude ici, à l'Institut de recherche de l'Oregon. Ce programme de recherche a montré que la consommation habituelle d'aliments riches en énergie altère l'activité cérébrale de la même façon que la consommation de drogue. Eric Stice a recruté une centaine d'étudiants dont la moitié avait l'habitude de s'empiffrer de crème glacée, tandis que l'autre n'en mangeait jamais. Tous sont venus au laboratoire pour siroter un milkshake à l'intérieur d'une machine IRM et livrer le secret de leur activité cérébrale. Aujourd'hui, on va vous donner du milkshake au chocolat et enregistrer l'activité de votre cerveau au moment où vous avalez le milkshake et juste avant. Il s'agit d'étudier les conséquences neuronales de la consommation d'aliments très caloriques. C'est très simple. Vous allez boire du milkshake et vous aurez juste à rester immobile. Après l'avoir gardé en bouche 5 secondes, vous pourrez l'avaler. On répétera cette expérience plusieurs fois. Grâce à un simple tuyau, le sujet sirote le milkshake sans bouger la tête. On a découvert que chez les gens qui n'ont pas l'habitude de manger de la crème glacée, le circuit de la récompense s'active facilement. Il s'allume de manière très forte. En revanche, chez ceux qui mangent souvent de la crème glacée, la réaction est différente. Il n'y a pratiquement aucune activation. Cela montre que la consommation régulière d'aliments très caloriques réduit le plaisir que l'on ressent lorsqu'on en mange. Le circuit de la récompense est une région cérébrale qui contrôle la sensation de plaisir. Elle est particulièrement sensible à la consommation de sucre. Mais trop en manger finit par atténuer sa réactivité. À dose égale, le plaisir ressenti s'en trouve réduit. Ce qui est intéressant, c'est que ceux qui consomment de la cocaïne ou d'autres drogues très régulièrement présentent une tendance très similaire. Ils doivent augmenter leur consommation pour ressentir le même plaisir. En cause, la diminution de la réaction du circuit de la récompense lorsqu'ils consomment trop de ce qui leur procure du plaisir. Autrement dit, il en faut toujours plus pour avoir sa dose. Comme chez le rat, le sucre agirait donc sur notre cerveau à la manière d'une drogue. Son pouvoir addictif est-il pour autant aussi puissant chez l'homme? La question divise encore la communauté scientifique. Mais l'expérience d'Eric Stice a révélé un autre effet plus subtil et peut-être plus pernicieux encore. Le cerveau, après un régime trop riche en sucre, devient hypersensible aux images de nourriture. Plus vous mangez de crème glacée et moins votre circuit de la récompense réagit. En revanche, il s'allume beaucoup plus fort quand vous percevez une image qui annonce que vous allez peut-être en manger. Le circuit s'emballe quand vous voyez un magasin de crème glacée en voiture ou si vous voyez une publicité pour de la glace à la télé. Et il s'active bien plus chez ceux qui consomment souvent de la crème glacée que chez ceux qui n'en mangent jamais. C'est ce mécanisme qui incite à manger sans avoir faim et qui est à l'origine de l'obésité et de tous les problèmes de santé qui vont avec.
L'influence directe de la nourriture sur notre cerveau joue donc un rôle crucial dans ce que nous choisissons de manger chaque jour. Le comportement alimentaire s'avère être un phénomène extrêmement complexe. Les enjeux de santé publique poussent les scientifiques à étudier tous les mécanismes qui président aux choix que nous faisons au quotidien. Que se passe-t-il vraiment dans le cerveau au moment de prendre un dessert plutôt qu'une entrée, un poisson plutôt qu'une viande? Qui tire vraiment les ficelles? Le laboratoire de Carlos Ribeiro est à la pointe de la recherche sur les choix alimentaires. Ce que nous voulons découvrir, ce sont tous les composants, les gènes, les molécules, les neurones, qui gouvernent aux choix alimentaires. Et pour cela, nous avons besoin de faire des études très fines. La simplicité de son modèle, la mouche, permet d'explorer de nouvelles voies, de nouvelles hypothèses. Pour comprendre le comportement alimentaire de la mouche, Carlos Ribeiro vient de mettre au point une machine qui permet de suivre dans les moindres détails les choix que fait l'insecte quand il passe à table. Lorsque la mouche touche la nourriture, on peut le voir avec ce capteur. Il s'agit du même que celui utilisé dans une tablette ou un téléphone tactile. Mais là, on ne détecte pas un doigt, mais le contact avec la nourriture. Ce qui nous permet d'analyser de manière précise le choix de la mouche entre protéines et sucre, mais aussi comment elle mange, en quelle quantité, à quelle vitesse, à quelle fréquence. On peut vraiment disséquer tous les détails de ces décisions contrôlées par le cerveau. Grâce à cette technique, Carlos a prouvé que ce qui oriente le choix alimentaire, ce sont d'abord les carences. Naturellement, les mouches privées de protéines préfèrent la nourriture riche en protéines. Mais en regardant de plus près, il a observé que ce n'est pas toujours le cas. On s'est rendu compte que certaines mouches n'avaient jamais d'attirance pour les protéines. On a donc cherché à comprendre pourquoi. Et on a découvert que l'intestin des mouches, qui ne s'intéressait pas aux protéines, était colonisé par des bactéries. Après avoir réalisé de nombreuses expériences, on a montré qu'il existait deux bactéries spécifiques qui inhibent l'appétit pour les protéines. Ces deux bactéries ont donc un impact très important sur l'envie de protéines chez les mouches. Les mouches, au moment de choisir leur alimentation, sont donc influencées par les bactéries présentes dans leur intestin. Cette découverte inattendue soulève évidemment une question importante. Les bactéries de notre propre flore intestinale, ce que les scientifiques appellent le microbiote, sont-elles aussi à la manœuvre dans notre cerveau? Jouent-elles un rôle dans nos préférences alimentaires? À l'université de Cork, en Irlande, John Cryan est un pionnier dans la recherche sur le microbiote. Il a réussi à prouver que chez les mammifères aussi, les bactéries de l'intestin interviennent dans certains comportements. Lorsque vous prélevez des bactéries sur des souris anxieuses et que vous les transplantez à des souris normales, le niveau d'anxiété de ces dernières augmente, et vice-versa. Lorsque vous prenez des bactéries chez des souris sereines, vous pouvez normaliser le stress des souris anxieuses. Les scientifiques commencent même à comprendre comment ces bactéries dialoguent avec les neurones. On retire les organes et on découvre le nerf vague, ici, en jaune. C'est le long nerf connecté à tous les organes qui descend jusque dans les intestins.
c'est vraiment la voie de communication clé entre nos intestins et notre cerveau. Avec des collègues canadiens, il y a quelques années, nous avons montré sur la souris que si l'on coupe le nerf vague, tous les effets liés à certaines bactéries disparaissent. Ceci montre bien que le nerf vague est une voie de communication clé entre les intestins et le cerveau. Il nous reste à comprendre ce qu'il se passe exactement dans le cerveau. Nous devons découvrir comment les signaux activent les zones cérébrales qui contrôlent des comportements complexes comme le comportement alimentaire. Et c'est là-dessus qu'on travaille en ce moment. L'influence des bactéries sur nos préférences alimentaires reste donc à démontrer aujourd'hui. En revanche, il est établi qu'elles agissent sur l'humeur et l'anxiété. Les scientifiques considèrent même désormais le microbiote comme une sorte d'intermédiaire, un agent de liaison entre la nourriture et notre cerveau. Le principal facteur qui influence la flore intestinale, c'est la nourriture que nous consommons. La diversité de l'alimentation est essentielle. De notre naissance à notre mort, elle détermine la composition du microbiote. On commence tout juste à se rendre compte de l'influence de ce que nous mangeons sur la composition de nos bactéries, et donc de l'importance de notre alimentation dans ce qui se passe dans notre cerveau. Notre bien-être dépend donc, entre autres, de celui de notre microbiote. Un bon régime pour notre humeur est un régime qui convient d'abord aux bactéries de nos intestins. Ce constat a fait naître l'idée de se servir de l'alimentation pour cajoler son cerveau et ménager sa santé mentale. Et là, c'est le fameux régime méditerranéen qui a séduit les scientifiques. Le régime méditerranéen est très riche en végétaux. Beaucoup de verdure, beaucoup de légumes, mais aussi des fruits. Un autre élément important, les légumineuses, comme les haricots, les lentilles et les pois chiches. Également les noix et les graines, le poisson et bien sûr l'huile d'olive. L'huile d'olive est une composante très importante du régime méditerranéen. On pense que cette variété alimentaire permet une plus grande diversité du microbiote qui vit dans nos intestins. Le lien entre cette diversité au sein des intestins et une bonne santé a été mis en évidence. On a réalisé une première étude l'an dernier avec 67 personnes qui souffraient de dépression sévère. Ils ont reçu l'aide d'un diététicien pendant 3 mois. À la fin, on a à nouveau évalué leurs symptômes. On a constaté que l'amélioration de la dépression était corrélée au changement de l'alimentation. Ceux qui ont adopté au mieux le régime méditerranéen sont ceux dont les symptômes ont le plus reculé. Mettre la cuisine au service de son cerveau est une idée qui fait son chemin. Les scientifiques explorent désormais toutes les pistes. Les épices vantées depuis des siècles par la médecine traditionnelle indienne sont désormais étudiées dans les laboratoires pour leurs vertus sur le mental. Les fruits rouges nourrissent aussi de grandes attentes. Les polyphénols qu'ils contiennent ont la capacité de revigorer les neurones sur le déclin. Ces polyphénols, en particulier ceux des fruits rouges, il se trouve que lorsqu'on les donne à des souris âgées, on a pu observer que leur déclin cognitif est amélioré, c'est-à-dire que ces animaux sont protégés vis-à-vis des troubles de la mémoire qu'ils peuvent avoir. Et ceci nous a conduit à faire un essai chez l'homme, et en l'occurrence une étude très récente qui a été menée chez plus de 200 sujets qui avaient 65 ans et plus et qui étaient sains,
mais qui ont un déclin normal, on va dire, se retrouvent protégés lorsqu'ils consomment des doses importantes de polyphénol. Les fruits rouges et les épices sont-ils les ingrédients miracles pour des neurones éternellement jeunes? Il est encore prématuré de le dire. La science commence à peine à découvrir les secrets de cette relation inattendue entre l'alimentation et le cerveau. Le menu idéal pour nos méninges reste largement un mystère aujourd'hui. Mais un régime diversifié, équilibré, qui boude la nourriture transformée, le sucre, et qui favorise les fruits et les légumes, semble, à ce jour, la meilleure recette pour préserver au mieux ses facultés mentales. Ma grand-mère disait, tu es ce que tu manges, alors mange bien. Et la science est en train de montrer à quel point elle avait raison. Dans les années à venir, il est fort probable que l'on commence à penser nutrition et médecine personnalisée et à comprendre très clairement comment les aliments interagissent avec le cerveau. Si on limitait les carences, est-ce que cela ferait baisser la criminalité? Trop tôt pour le dire. Ce qu'on sait, c'est que quand on fait le pari d'une alimentation saine, cela a des effets sur le comportement. Plus on mange de barres chocolatées, plus on est sensible aux sollicitations. Et plus on mange de barres chocolatées. C'est monstrueux. La meilleure chose à faire, si vous avez des enfants, c'est de leur donner une alimentation saine et pas ce genre de merde. J'ai dit merde, désolé.